Tome 6, le fils d'éléonore Samedi 5 juillet 2031. L'organisation du mariage n'avait pas été une mince affaire. Heureusement, sur place, les choses étaient prises en main par Vittoria et Matteo, qui avaient eu carte blanche pour le buffet du samedi après le mariage civil et le repas du dimanche après le mariage religieux. Vittoria avait joué la wedding planeuse à la perfection allant jusqu'à négocier la célébration du mariage civil sur la plage proche de l'hôtel, et elle avait fait valider les idées de menu et de décoration par le couple. Les maris avaient eu à gérer l'aspect administratif ils avaient constitué largement à temps leur dossier pour obtenir la nulla hosta auprès de l'ambassade de France en Italie. Une fois le précieux sésame obtenu, le reste avait été simple avec la mairie de Sant'Angelo. Le nouveau maire d'Ischia, Giovanni Pantano, Fils de l'ancien maire Paolo Pantano, ami de Matteo, connaissait bien Alex et Elena. Et les démarches réglementaires s'étaient faites par courrier postal. Il se chargeait de demander l'enregistrement du mariage à l'ambassade de France afin qu'il soit retranscrit à l'état civil français et que les nouveaux époux reçoivent leur livret de famille. Dès le mois de février, ils avaient obtenu leur certificat de baptême et pris contact avec le prêtre d'Ischia. Ils n'avaient pas été obligés de faire la préparation au mariage sur place. Mais avait pu le faire à Grenoble. Depuis le début mai, Alex effectuait son dernier semestre d'internat au SAMU de Grenoble. Entre le centre de régulation et le SMUR, il ne chômait pas. Elena avait enchaîné avec un stage au bloc de gynécologie en janvier, puis au bloc d'orthopédie-traumatologie en février-mars. Elle avait validé son premier semestre en travaillant avec une grande régularité. Quand Alex avait commencé au SAMU, elle était au bloc de chirurgie vasculaire. Ces évaluations s'étaient terminées le mercredi 1er juillet. Ils avaient donc pu prendre l'avion le jeudi à Lyon et étaient arrivés à Naples un peu après-midi. Ils déjeunèrent tranquillement sur le front de mer avant de prendre le ferry pour Ischia-Porto où Matteo vint les chercher pour les emmener à Sant'Angelo. Les invités arriveraient le lendemain. Un, cependant, était déjà sur place, Alan Wilson, qui passait généralement tous ses étés à Ischia. Après les retrouvailles avec la famille dans l'hôtel Mazzella, les amoureux allèrent profiter de le chaud de la Méditerranée et faire un peu de paddle en tandem. Depuis qu'ils s'étaient retrouvés, ils faisaient toutes leurs activités ensemble. Qu'il s'agisse du ski, des sorties à raquettes, du ski de randonnée auquel Alex avait initié Elena pendant l'hiver et la randonnée à pied ou à cheval, ou encore le canyoning dès les beaux jours. Ils retrouvèrent avec délice les petites criques secrètes dans lesquelles... Ils avaient eu l'habitude de se cacher pour s'aimer, comme les parents du jeune homme l'avaient fait avant eux. Ils n'étaient revenus qu'à l'heure du repas, et s'étaient attardés sur la terrasse de leur chambre pour admirer le coucher de soleil. L'hôtel était encore complet mais les clients présents allaient quitter l'établissement au plus tard le samedi matin pour la plupart. Seuls quelques habitués allaient rester. Toute la famille et les amis des futurs mariés allaient en effet arriver pour les cérémonies, et allait même investir en partie l'hôtel voisin. Alberto et Margarita habitaient la petite maison de la nonna, décédée en 2020. Elle ne s'était pas remise du décès brutal d'Eleonor, suivi le 30 mars 2020 de celui de François, l'aîné de ses petits-fils. La vieille dame de 94 ans était morte de chagrin. Alberto allait donc accueillir sa sœur Chiara avec son mari Jean, ainsi que Laurence. L'hôtel Mazzella héberger déjà les mariés et aller recevoir les parents d'Elena, c'est-à-dire son père Antoine et sa compagne Aurélie, sa mère Isabella, ainsi que Lisa et Enzo, tous les oncles étant d'Alex, les parents d'Enzo, Sarah et Max Pierfort, Laura, la sœur de Matteo et son mari Nicolas, qui était aussi le frère de Sarah, les tontons Nounou, Steph et Dominique, ainsi que Thomas Éditeur. Frédéric Lefer, l'associé de Lisa, Récemment séparée de sa compagne, la danseuse étoile Lena Koblach, et Sophie Fourcade, une amie et collègue de François, qui avait été son témoin avec Max lors de son mariage avec Eleonore, était également logée dans l'hôtel de Matteo et Vittoria. L'hôtel voisin accueillait les jeunes amis et cousins des mariés. Les amoureux avaient profité encore du vendredi pour se balader et paraisser sur la plage jusqu'en fin de matinée. À midi et demi, Alex était allé chercher Fabio et Valentina, les parents d'Enzo, qui venaient de Turin. Les autres invités accostaient à 15h30 à Ischia Porto et les arrivées s'échelonnaient ensuite jusqu'à 19h30. Les premiers à arriver furent les grands-parents d'Alex avec Lisa, Enzo, Francesco, Karen, la jeune fille au père, et Frédéric Lefer, ainsi que Laurent et Gabriella, les parents de Serena, Sean et Monica avec Ariana, puis Max et Sarah, les parents de Théo et Estelle. Alex conduisait le van de l'hôtel, Matteo avait emprunté celui de son voisin. Après avoir déposé ses premiers voyageurs, le futur marié était reparti à 17h pour récupérer son oncle David et sa femme Lindsay, ainsi que Léo, Cécile et Ayla, qui étaient partis d'Édimbourg, ainsi que Thomas, éditeur, venant de Munich. Les deux vannes furent nécessaires pour le voyage de 19h30 pour récupérer la mère d'Elena, Laura et Nicolas avec leur fille Stefania. Gauthier, Estelle, Théo, Serena, Louis et Claudia, Nina, Adam, Steph et Dominique, ainsi que Sophie Fourcade. Tous se retrouvèrent pour dîner autour d'un buffet froid avant d'aller se reposer pour le lendemain. Adam et Stéphania se retrouvaient pour l'instant seuls dans leur chambre en attendant l'arrivée d'Émilie et Ben. Ces deux nouveaux couples s'étaient confirmés lors des vacances de février et depuis les amoureux se voyaient épisodiquement mais échangeaient beaucoup. Les jeunes, comme à leur habitude, passèrent une partie de leur soirée en musique. Luca était sorti de sa cuisine et les avait rejoints. Il avait eu un coup de cœur lors du mariage de Lisa pour Ariana, qui avait alors tout juste 20 ans. Il ne l'avait pas revue depuis. Il avait bien eu quelques aventures depuis 2028, mais la jolie blonde aux yeux noisettes lui plaisait toujours autant. Elle parut contente de le revoir. Il faut dire que Luca était plus que séduisant avec ses cheveux bruns qui bouclaient naturellement et ses yeux bleus, contrastant avec sa peau mate. Le jeune chef Mazzella présenta à ses cousins issus de Germain son ami d'enfance, Andrea Agnello, étudiant en pharmacie à Naples. Ce dernier, depuis qu'il était entré avec son ami, avait repéré une jolie fille parmi toutes celles présentes. Elle avait des cheveux milons, couleur de miel, et des yeux bleus pervenche. Il la dévorait littéralement des yeux. La jeune fille avait senti ce regard posé avec insistance sur elle, elle avait rougi. Le jeune homme grand, avec ses cheveux bruns un peu rebelles et ses yeux presque noirs, ne la laissait pas indifférente, et elle frissonna quand il lui serra la main. À toutes les autres, il avait fait la bise, mais Dieu sait pourquoi, avec elle, il n'avait pas osé. Il avait fallu qu'elle lui en fasse la remarque, pour qu'il lui dépose un baiser à peine effleuré sur la joue. Héléna avait perçu le trouble d'Ayla, et se tourna vers Alex avec un sourire. Lui aussi avait vu je crois bien qu'une de tes dernières cousines célibataires vient d'avoir un gros coup de cœur, et il est apparemment partagé. Toi aussi, tu as remarqué? En tout cas, ils vont bien ensemble. C'est une affaire à suivre de très près, comme celle de Luca et Ariana. Tu crois? J'en suis certain. Il tournait déjà autour lors du mariage de Lisa, et tel que je le vois là, il a toujours le béguin pour elle. Si cela se confirme, pour Ariana et Ayla, il ne restera plus que Nina en solo. Après le dîner, à la demande de certains, la future mariée chanta accompagnée au piano par Alex, Shallow et I Never Love Again, puis I'll Always Remember Us This Way. Puis elle poursuivit avec I Just Can't Stop Loving You. Adam vint la rejoindre avec son violon lorsqu'elle chanta Dreams, Breathless, So Young et Run Away, Only When I Sleep, des courses Pendant qu'Adam faisait une pause, Elena interpréta « Cause de la vita » puis « I got you babe » en duo avec Alex. Puis elle posa sa guitare pour s'asseoir à côté de son fiancé qui commença à jouer au piano l'introduction de la chanson du film « Le masque de Zorro » et commença à chanter le duo avec sa future femme « I want to spend my lifetime loving you ». Adam les accompagna au violon. Les futurs mariés rejoignirent ensuite leur chambre, laissant les jeunes continuer la soirée sans eux. Ils avaient d'autres projets. Quand Alex ouvrit les yeux vers huit heures, Elena était déjà debout en train de faire sa séance de yoga matinale sur la terrasse. Le voyant éveillé, elle s'interrompit et lui sourit. Il aimait particulièrement son sourire et s'enflamma soudain pour elle. La lueur qu'elle vit dans son regard la troubla. Envoûtée par ses yeux bleus, par son charme, elle n'essaya pas ou ne voulut pas lutter. L'émergence du désir d'Alex agissait sur elle comme un signal. Son désir à elle était aussi fort et pressant. Elle se retrouva dans les bras musclés de son futur mari, qui baisa sa bouche avec fougue. Toutes ses sensations semblaient démultipliées. Chaque parcelle de son corps était parcourue de frissons, vibrait au contact de l'homme de sa vie, de ses mains qui la caressaient, de ses bras qui l'étreignaient, de ses hanches et de son sexe pressé contre elle. Elle aurait voulu que son baiser ne s'arrêtât jamais. Tout le corps d'Héléna manifestait son désir elle ne pouvait plus attendre, tout en souhaitant qu'il prît son temps, lorsqu'il glissa ses mains sous le léger haut de yoga et enveloppa ses seins. Elle gémit quand il pressa ses mamelons dressés, provoquant des frissons plus profonds de son intimité. La réaction d'Héléna augmenta l'excitation d'Alex. Sentant la langue d'Héléna explorer sa bouche, il la suça avidement. Et bien que pris d'un désir soudain de goûter les plis humides et salés de son sexe, il ne pouvait se résoudre à interrompre le baiser. Il caressa les seins de la jeune femme, les pétrit, titilla à chaque mamelon. et n'y tenant plus, il souleva son t-shirt pour les aspirer avidement pendant qu'elle se collait contre lui en gémissant de plaisir. Il imagina son sexe palpitant en elle. Et alors qu'il l'embrassait de nouveau, le désir d'Hélène s'accrut encore et la submergea. Elle était avide de ses caresses, de ses mains, de son corps, de sa bouche, de son sexe. Elle ôta son t-shirt et laissa Alex lui enlever son shorty. Ils se retrouvèrent allongés sur le lit, leurs deux bouches scellées par le même baiser. Les caresses d'Alex devinrent de plus en plus précises. Lorsque sa main glissa entre ses cuisses, Elena s'offrit totalement. Il descendit lentement entre ses jambes et goûta sa chaude fente parfumée, sa langue léchant et caressant son clitoris, ses doigts fouillant son intimité. Le désir exacerbé de la jeune femme devint presque insoutenable et pourtant, si exquis. La réponse, si violente et si spontanée, n'échappa pas à son amant. Ses baisers la faisaient tressaillir de plaisir, et un chaud liquide envahit son vagin. Elle se cambra et la lame de fond qu'elle avait senti grandir en elle l'emporta, et comme elle atteignait le paroxysme de la jouissance, elle sentit le membre durci d'Alex entrer en elle le plus profondément possible, jouissant pleinement du frottement délicieux dans un lent va-et-vient. Chaque mouvement le rapprochait de l'extase et provoquait chez lui une tension extrême. Héléna poussa un râle profond et tendit tout son corps. Il n'y tint plus et laissa exploser les vagues successives du plaisir. Alex se souleva enfin et les bras tendus contempla la femme qu'il adorait et qui lui souriait, encore alangui par le plaisir qu'il lui avait donné. Il leur fallut cependant se lever pour aller déjeuner. Ils retrouvèrent les grands-parents, oncles et tantes d'Alex la mère d'Héléna, les tontons Nounou, Thomas, éditeur, avec lesquels ils discutèrent un moment. Puis ils se rendirent sur la plage pour voir où en étaient les préparatifs de la cérémonie civile. Tout était sous contrôle, Victoria y avait veillé. Finalement, ils firent un tour dans le village en attendant l'heure d'aller chercher les derniers invités, le père de la mariée et sa compagne Aurélie, qui arrivait par le volaire France en provenance d'Orly, ainsi que Ben et Émilie qui venaient de Lyon Saint Exupéry. Vers 11h30, ils prirent le van de l'hôtel pour se rendre à Ischia Porto et attendre les voyageurs. Les quatre invités arrivaient par le même ferry, mais ne se connaissaient pas. Elena les présenta donc les uns aux autres. Lorsqu'ils parvinrent à l'hôtel, Vittoria emmena Antoine d'Aubigny et sa compagne jusqu'à leur chambre. Ariana était venue voir Luca en cuisine et se proposa d'emmener Ben et Émilie jusqu'à l'hôtel voisin. Ils se retrouveraient tous à 13h30 pour le déjeuner. Toutes les consignes avaient été passées. La cérémonie civile serait simple et les tenues décontractées. Mais tous avaient encore un peu de temps, puisqu'elle n'était prévue à dix-sept heures trente. Pour s'habiller, Elena retrouva Lisa dans la chambre de cette dernière. Pour le mariage civil, elle mit une petite robe blanche toute simple, courte, profondément décolletée devant, et laissant son dos nu, sur un bikini blanc, au cas où les cousins et amis auraient l'idée farfelue de la jeter à l'eau. Elle se maquilla très légèrement, et Lisa boucla ses cheveux pour obtenir quelques ondulations. Le seul ornement qu'elle porta fut une couronne de fleurs, réalisée avec les fleurs de bougainvilliers blanches et violettes du jardin de l'hôtel, qui mettait ses yeux verts en valeur. À ses oreilles, elle arborait les pendants d'oreilles, art déco d'Éléonore, assortis à sa bague de fiançailles. Le bouquet était lui aussi composé de fleurs du jardin. Lisa se prépara à son tour. Elle avait beaucoup participé aussi à l'organisation. Avec Vittoria, et avait notamment demandé à tous, même si la tenue devait être décontractée, de la choisir blanche ou belge pour le mariage civil sur la plage. On serait tout autrement le lendemain pour le mariage religieux. Lisa rejoignit son frère, puisque c'est elle qui le conduisait devant le maire. Lorsqu'Elena arriva sur la plage au bras de son père, tous les invités étaient installés. Alex et les témoins, ainsi que Giovanni Pantano, le maire, N'attendait plus qu'elle, sous une arche drapée d'un voile et recouverte de bougainvilliers. Alex la regarda avancer avec un regard ébloui. Elle était resplendissante. La simplicité de sa tenue mettait en valeur sa beauté naturelle. Tandis qu'elle approchait, elle entendit une voix qu'elle connaissait bien. Émilie, accompagnée par son amoureux Adam à la guitare, chantait You and I. Les larmes aux yeux, Helena marchait vers Alex, qui la regardait arriver aussi émue qu'elle par le symbole de la chanson. L'émotion était palpable dans toute l'assemblée, car tous, sauf les parents d'Héléna, savaient ce que ce titre signifiait pour le couple. Héléna avait rejoint Alex, et tous deux se faisaient face, pendant qu'Émilie chantait, les yeux dans les yeux, les mains entrelacées. Le maire fit ensuite son discours, lut les articles de loi relatifs au mariage, et procéda à l'échange des consentements. Les amoureux ne se lâchaient pas des yeux, leur coeur s'emballait, Giulia était chargée d'amener les alliances, et elle s'acquitta de sa mission avec Francesco. Les applaudissements retentirent lors du baiser, et de nouveau, la voix d'Émilie se fit entendre, toujours accompagnée d'Adam. Le titre ne laissa personne indifférent parmi le clan Vase, de nouveau, puisqu'il s'agissait de From this moment. L'ombre d'Éléonore et François planait sur l'assemblée depuis le début de la cérémonie, avec leurs deux titres fétiches. Un cocktail était prévu sur la plage. Les mariés étaient encore dans leur bulle. Néanmoins, ils étreignirent particulièrement Émilie et Adam pour les remercier. Leur choix avait été guidé par les souvenirs du futur avocat, qui avait toutefois demandé à Lisa si chanter ces deux titres si symboliques ne risquait pas d'être trop bouleversant pour elle et pour Alex. La danseuse étoile avait validé ce choix sans aucune réticence. Ses parents seraient un peu avec eux. Les mariés passèrent ensuite des uns aux autres, avec leur verre à la main. Le mariage civil qu'ils avaient prévu était assez intimiste. Le lendemain serait différent car tout le village, qu'il le veuille ou non, serait aux premières loges, d'autant qu'Alex y était connu depuis sa plus tendre enfance. Il y avait fait ses premières conquêtes féminines. Parmi elles, celle qui était encore célibataire et espérait encore le conquérir était très déçue de le voir convoler avec une rivale d'une sublime beauté. Dimanche 6 juillet 2031. Après le buffet organisé pour la soirée, Alex et Elena s'étaient isolés dans leur chambre pour leur première nuit comme mari et femme. Heureusement, la suite matrimoniale qu'ils occupaient était bien insonorisée. Et ce dimanche matin, ils avaient un peu de temps devant eux avant la cérémonie religieuse prévue à 14h30. Après une séance de méditation en couple qui s'était terminée par un câlin, les tourtereaux étaient descendus prendre leur petit déjeuner. Ils ne croisèrent que Louis et Claudia, qui avaient rendez-vous avec les jeunes dans l'hôtel voisin. Il était déjà neuf heures trente du matin. Ils prirent leur temps, profitant de ce moment de répit pour ressol. Avant de remonter, ils s'arrêtèrent dans le salon, désert à cette heure. Héléna eut envie de se mettre au piano et commença à jouer quelques accords. Puis elle regarda dans les partitions celles qui pouvaient lui convenir, mais n'en sélectionna aucune. Elle commença à jouer l'introduction de Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion et se mit à chanter, sans savoir que bien des années auparavant, Éléonore avait chanté la même chanson, le matin de son mariage religieux à Ischia. Comme sa belle-mère, elle était prête à tout pour garder son homme, pour éviter qu'il se lasse d'elle. Elle était absorbée par ce qu'elle faisait. Alex l'écoutait, captivé. Ni l'un ni l'autre ne virent entrer les grands-parents d'Alex. Avec Alberto, Margherita et Matteo, les jeunes mariés étaient dans leur bulle. Elle continua avec I Have Nothing sans remarquer qu'il n'était plus seul. À la fin de cette chanson, quand Matteo ne put s'empêcher d'applaudir, ils réalisèrent qu'ils avaient de la compagnie. Alex déposa un baiser sur les lèvres de sa femme. Si on leur chantait un duo, Felicita, c'est parti. Les anciens connaissaient bien la chanson, notamment Chiara, Alberto. Marguerita. Mais Alex et Elena chantaient l'un pour l'autre, se dévorant des yeux. Ils s'échappèrent pour aller marcher main dans la main sur la plage en attendant le repas. Juste après le déjeuner, le futur marié obtint l'autorisation d'entrer dans la chambre de Lisa avant qu'Elena ne mette sa robe de mariée, qu'il ne devait surtout pas voir. Alex la prit contre lui pour prendre sa bouche avant de picorer son cou. Mais une de ses mains avait fouillé dans la poche gauche de son élégant costume italien marine. Il en sortit un collier de joaillier avec des émeraudes montées en quinconce et des diamants. Il passa derrière elle pour lui attacher autour du cou. Ces cailloux ne seront jamais aussi beaux que tes yeux, lui susura-t-il. Tu es fou, répondit-elle en penchant la tête en arrière pour trouver sa bouche. Eh oui, complètement fou de toi, et c'est incurable. De nouveau, ils s'isolèrent dans leur bulle pour un long baiser. Lisa va les interrompre et mit gentiment son frère à la porte. Comme le veut la tradition italienne, Alex avait glissé dans une de ses poches un anneau de métal et avait offert à sa femme son bouquet de mariée, composé de fraisières violets, de roses mauves et blanches, et de feuilles d'eucalyptus. Il y avait joint un billet doux qu'elle avait découvert au dernier moment. Des roses blanches pour te dire que tu es mon ange et que je veux faire éclater au grand jour ma passion pour toi. Des roses mauves parce que je suis sous ton charme et que tu es la reine de mon cœur, et les fraisiers parce que tu es la grâce incarnée et que mon amour est sincère. Je t'aime passionnément. Héléna sourit en pensant qu'il avait dû prendre un nouveau cours sur le langage des fleurs. Le cortège n'attendait plus que l'arrivée de Lisa, qui aidait la mariée pour traverser le village jusqu'à l'église. Chacun rejoignit sa place dès que la danseuse étoile eut rejoint son frère, en tête du cortège, pour traverser le village. La petite Giulia n'était pas peu fière de porter le voile d'Héléna. Sur le passage des mariés, les villageois avaient dispersé des obstacles qui symbolisaient l'amour et une vie à deux parfois semée d'embûches. Alex, tout comme Héléna, devait les éviter. Lisa portait aussi un autre élément important dans les mariages transalpins, la borsa. Ce petit sac était destiné à contenir l'argent que les invités y glissaient en guise de cadeau. Les jeunes du clan Vas et les amis avaient tous revêtu des tenues identiques. Costume beige pour les garçons et robe en mousseline bleu roi convertible pour les filles. Chacune la portait à sa manière, asymétrique, en robe bustier avec un décolleté plongeant, le corsage noué autour du cou, le dos nu ou un bretel croisé ou torsadé. Le prêtre attendait devant l'église pour accueillir le marié. La musique de I Just Can't Stop loving you » jouée au piano retentit pendant qu'Alex entrait au bras de Lisa, suivie par Isabella et Gauthier, Jean et Chiara, puis Laurence au bras d'Enzo, les deux autres témoins, Théo et Estelle, et enfin tous les autres invités. Les témoins attendaient près de l'hôtel avec le marié. Lorsqu'Elena apparut au bras de son père, tous furent éblouis tant elle resplendissait. La jeune femme portait une robe en mousseline ivoire avec un corsage en dentelle et une courte traîne, décolletée en V devant et laissant une bonne partie de son dos nu. Ses cheveux étaient ramassés en un chignon bas, orné du peigne du Sey. À ses oreilles, elle arborait les boucles d'oreilles de la famille d'Éléonore. À sa main gauche brillait la bague de fiançailles vaste aux émeraudes, et à son cou, tous remarquèrent le splendide collier en émeraudes et diamants qu'il n'avait encore jamais vu. Un voile ivoire très sobre complétait la tenue de la mariée qui, selon la tradition en Italie, devait en déchirer un morceau pour éloigner le mauvais sort. Elena avait prévu aussi des chaussures adaptées pour la danse. Dès qu'elle s'avança avec son père, une voix mélodieuse se joignit au piano pour chanter "Make you feel my love", puis "My love is your love". Elena reconnut la voix d'Émilie, mais elle n'était pas la seule puisque d'autres voix se joignait à elle, faisant des chœurs. Alex, qui s'était retourné pour voir arriver sa femme, s'aperçut que ses cousines, ses cousins et amis étaient regroupés autour de la chanteuse. Son oncle Louis était au piano. Ils avaient constitué un chœur gospel. Elena sourit, les larmes aux yeux. La bénédiction commença quand Antoine amena la mariée jusqu'à Alex, qui l'avait contemplée, fascinée par sa beauté depuis qu'elle avait passé les portes de l'église. Il saisit la main de sa belle pour en baiser la paume. Les yeux brillants de larmes, elle lui murmura un Je t'aime. Après un mot d'accueil du prêtre, les mariés renouvelèrent la promesse de leur baptême. S'ensuivirent les trois lectures traditionnelles avant l'échange des consentements qui devaient concrétiser le mariage. Le prêtre posa les questions rituelles Carissimi, Alexandre et Elena, siete venuti insieme nella casa del padre, Perché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Alexandre e Elena siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì, rispondirono sempre le marie. Siete disposti, nella nuova via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi. L'un l'altro per tutta la vita? Si. Puis le prêtre les invita à se donner la main droite pour exprimer leur consentement. Io, Alexandre, a Elena, comme mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Elena, a Alexandre. Come mio sposo, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Le prêtre poursuivì ensuite, avec la bénédiction des alliances, avant che les mariés ne s'exprimentent de nouveau: Elena, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nom del Padre, et del Figlio, et dello Spirito Santo, déclara Alex. Alexandre, ricevi questo anello, segno del mio amore, et della mia fedeltà, nel nome del Padre, et del Figlio, et dello Spirito Santo, prononça à son tour Elena. Pendant la signature des registres par les mariés et les témoins, Louis entama l'introduction de All You Love au piano, et la voix d'Adam emplit l'église à son tour. Le cousin d'Alex poursuivit avec un surprenant Ain't no mountain high enough, accompagné des chœurs, petit clin d'œil à la région d'adoption des mariés et où il s'était retrouvé. Puis Émilie prit le relais sur Kissing You. Le cortège se reforma pendant que la jeune infirmière chantait. Les mariés d'abord, puis les trois grands-parents ensemble, Isabella et Antoine, les témoins Gauthier et Estelle et Théo avec Lisa et le reste des invités. La plupart des invités étaient déjà dehors et une partie du chœur gospel d'un jour les avait rejoints. Louis, Émilie et Adam, et ceux qui restaient, se hâtèrent de rejoindre tous les jeunes qui avaient préparé une surprise pour les mariés à l'initiative de Claudia et Steph. Ceux-ci leur avaient fait travailler une chorégraphie très simple sur Love is All Around pour une haie d'honneur à la sortie des mariés. Wilson prenait des centaines de clichés et il n'était pas le seul. Les mariés se prêtèrent à la tradition des photos de famille et de la photo de groupe avec plaisir. À l'issue de cette séance, le couple s'isola quelques instants. Alex ne lâchait plus sa femme des yeux et l'étreignit pour un très long baiser. Théo, toujours prêt à faire le clown, vint les rappeler à l'ordre. « Les Calinous, tout le monde vous attend. Allez, ouste mes petits lapins câlins, en route !» Le groupe des jeunes était hilar. Alex leur lança un regard sombre. Il était évident que tout le cortège connaissait leur surnom et vraisemblablement tout Sant'Angelo, comme ils avaient connu celui de ses parents avant eux. Le cortège traversa ensuite le village en dansant jusqu'à l'hôtel, les mariés en tête, sur des chansons de Tina Turner Let's Stay Together, The Best, Addicted to Love sous les yeux médusés des touristes déjà nombreux en ce début juillet. Un long banquet les attendait ensuite. Tout commença avec un cocktail de bienvenue à base de Prosecco et de la finger food, auquel participa une bonne partie du village, car les Mazzella y vivaient depuis des générations, et les vases avaient aussi été adoptés par les habitants de Sant'Angelo. Il y avait ensuite le buffet d'antipasti, le primo, le secondo, et enfin le dessert. Matteo s'était chargé de tout avec son équipe. Les mariés devaient trinquer lors du cocktail. Estelle, sur les conseils de sa mère Sarah, avait fait préparer de l'eau gazeuse avec un sirop de fruits de manière à approcher de la couleur du cocktail. Elle servit elle même les mariés en leur confiant que cette ruse avait déjà servi à Éléonore lors du cocktail de son propre mariage, car elle venait de découvrir sa grossesse. Merci, Estelle, dit Alex à son amie, parce que, vu le nombre de fois où nous allons devoir trinquer, je me demandais bien comment nous allions faire. Et tu sais que je suis fâchée avec l'alcool depuis un certain jour. Il y a prescription, mon amour, lui dit Héléna. Mais je suis d'accord avec toi. Elle se colla à lui pour l'embrasser, lui entr'ouvrit les lèvres avec sa langue et explora sa bouche un long moment. Louis vint les interrompre. Doucement, les Calinous, je sais comment ça se termine avec vous ce genre de bisous. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, Louis. Ma parole, Théo, déteint sur toi, dit Alex tout en restant collé à Héléna, car le baiser échangé n'était pas resté sans effet. Mais ce serait plutôt Max et moi qui avons déteint sur Théo. Tu l'ignores peut-être? Mais c'est Max qui avait trouvé le surnom de tes parents, les Lapinous. Comme tout le monde avait fini par connaître ce surnom, il avait dû préciser dans son discours de témoin, à la demande de François, que contrairement à ceux des lapins, les ébats de tes parents duraient longtemps. Et en plus, ils étaient contagieux. Les jeunes le mariés pouvaient faire de rire en même temps à cette évocation. Ton père avait aussi un autre surnom que je lui avais donné et qui tirait tout aussi bien, ajouta Louis à l'attention d'Alex. Ah oui, lequel Demanda Elena curieuse. Rocco ou l'étalon franco-italien Alex écarquilla les yeux avant de se mettre à rire franchement. Cette courte conversation édifiante avec son oncle avait eu aussi le mérite de lui permettre d'être de nouveau présentable. Il prit Elena par la main pour continuer le tour des invités. Ils félicitèrent tous ceux qui avaient participé au chœur. Puis ils allèrent voir Émilie qu'Elena prit dans ses bras. Émilie, j'ai eu la chair de poule quand tu as chanté. Dit-elle en l'embrassant sur chaque joue. Toi aussi, Adam, quelle voix Merci à tous les deux, ajouta-t-elle en déposant une bise sur ses joues. Grâce à vous tous, cette cérémonie a été un moment magique. C'est Émilie qui en a eu l'idée, répondit Adam. Mais comment vous y êtes-vous pris pour répéter, toi, à Chambéry et tous les autres, à Rouen ou Édimbourg demanda-t-elle à Émilie. Tu n'es pas tout le temps avec moi, ma belle. Je suis retournée entre deux à Rouen. Les parents d'Adam nous ont aidés. Louis nous a fait répéter, Claudia a participé pour la chorégraphie avec Steph. Le plus compliqué a été pour Léo et Ayla, mais heureusement, avec la visioconférence, nous avons pu de temps en temps avoir un aperçu tous ensemble. Et puis Louis a fait répéter tous les cousins vendredi soir et samedi matin. Moi et Ben les avons rejoints hier en début d'après-midi. Nous avons fait une dernière répétition ce matin. C'était ça le rendez-vous de Louis et Claudia ce matin, fit remarquer Alex. Le couple alla remercier Louis. Claudia et Steph, pour leur implication. Le jeune marié étreignit tour à tour son oncle, sa tante et son tonton nounou, suivi par Elena. Merci à tous les trois pour ce que vous avez fait pour nous, dit Alex. Tes parents ont tellement fait pour nous tous que nous te devions bien ça, dit tristement Louis. Nous étions très proches d'eux, Claudia et moi, tout comme Steph. Elena aurait été ma petite sœur adoptive, ajouta à Steph la larme à l'œil. Toi, Elisa, êtes mes neveux de cœur. Même les enfants que je n'ai jamais eus. Je vous ai donné tant de fois votre biberon à tous les deux. Vous nous faites penser à eux, aussi amoureux qu'ils l'étaient, aussi fusionnels, dit Claudia. Et vous fusionnez souvent, les Calinous, ajouta Louis avec un grand sourire. La chambre a beau être bien sonorisée, si la porte-fenêtre est entr'ouverte, nous vous entendons quand même. Remarquez, ça nous ramène quelques années en arrière. Mathéo et Lucas s'étaient surpassés pour le repas de mariage un repas qui était aussi pour certains l'occasion de découvrir la véritable gastronomie italienne. Avant l'arrivée du gâteau, Elena se plia à la tradition du lancer de bouquet. Le DJ annonça l'imminence du lancer et passa la chanson de Megan Trainor, "Dear Future Husband". La mariée s'était mise en place et dansait en attendant. Tous les célibataires se précipitèrent derrière elle à une certaine distance. Dans quelles mains le bouquet allait-il atterrir dans les mains d'Estelle, de Serena, d'Ariana, d'Ayla, d'Émilie, de Stéphania. Certaines étaient déjà en couple officiellement, mais pas encore mariées. D'autres officieusement ou pas du tout. Elena ne semblait pas se décider à lancer son bouquet et dansait face aux célibataires. Enfin, après deux minutes, elle se retourna. Attention Le bouquet s'éleva dans les airs et atterrit dans les bras d'Estelle. Elena s'était retournée tout en continuant à danser. Il risque d'y avoir un second mariage pour les Daubigny prochainement, pensa-t-elle. Elle fit un clin d'œil à Alex qui lui montrait Gauthier resté bouche bée. Ils se rejoignirent pour couper le gâteau. Le Didji laissa le temps nécessaire à tous de déguster leur part de dessert avant d'inviter tous les convives à se lever pour la traditionnelle tarentelle napolitaine. Tous les Italiens et le clan Vasse en connaissaient les pas, qui n'étaient pas très compliqués. Tous les autres finirent par les suivre. Ils avaient tous besoin de bouger après être restés si longtemps assis. À l'issue de cette tarentelle, l'animateur annonça l'ouverture du bal par les mariés. Elena et Alex étaient déjà sur la piste. Lorsque la musique de From This Moment On retentit, tous ceux qui étaient au mariage d'Éléonore et François, plus de trente ans auparavant, se regardèrent. Le choix des mariés n'était pas lié au hasard. Tout était prétexte à rendre hommage aux parents disparus d'Alex et Lisa. Cela avait déjà été le cas lors du mariage de Lisa et d'Enzo. Elena avança vers Alex sur l'introduction, tourna autour de lui et posa ses mains sur ses épaules pendant qu'il posait les siennes sur ses hanches. Ils reproduisaient exactement la chorégraphie du 5 juin 2000. Les yeux dans les yeux, leurs mouvements étaient synchronisés et chaque geste tendre montrait tout l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Seuls les portaient les obligeaient à se lâcher des yeux. Comme François à l'époque, Alex termina la chorégraphie par un baise-main dans la position d'un chevalier servant devant Helena. Ses deux grands-mères pleuraient à chaudes larmes, tout comme Steph, qui avait créé cette chorégraphie, tant l'émotion était intense. Il n'avait pas fini de pleurer, car les mariés avaient choisi d'aller jusqu'au bout de leur hommage. Quand l'introduction de Tiamo emplit la salle, Steph savait déjà ce qui allait se passer. Les mariés commencèrent à danser leur valse, mais juste après le troisième porté, comme pour François et Léonore, l'émotion les emporta un instant, et ils restèrent quelques secondes se serrant l'un contre l'autre, avant de se reprendre pour le porter sur le second refrain. Comme les parents d'Alex, ils finirent cette valse en se déclarant à voix basse leur amour. Applaudi par les invités émus jusqu'aux larmes pour beaucoup. L'histoire se reproduisait avec ces deux amoureux passionnés. Les jeunes et moins jeunes s'élancèrent sur la piste pour continuer la fête la mariée d'un fin avec son père, son frère, son beau-frère, tous les oncles d'Alex, de sang ou adoptif, ses cousins et amis avec sa borsa, comme le veut la tradition. Pendant que le marié invitait tour à tour ses deux grands-mères, sa belle-mère, ses tantes, Sarah, qu'Alex considérait comme sa tante, et toutes les autres femmes de la famille élargies aux amis. elle posa sa borsa et s'éclipsa avec Lisa, Estelle, Serena, Stéphania et Cécile. Quand la musique de Dr. Pressure de Milo dans un remix du titre de Gloria Stéphane et Miami Sound Machine commença, elles apparurent toutes en infirmières sexy et basket. Leurs conjoints ou compagnons, tous médecins, avaient été installés aux premières loges par Emily pendant l'introduction. Alex avait à sa gauche Enzo et Gauthier, et à sa droite Léo, Théo et Ben. Elena s'avança en premier pour commencer une chorégraphie street jazz très sexy. Et fut rejointe par Lisa et Cécile après le premier refrain. Estelle, Serena et Stefania arrivèrent après le second refrain. Elles vint chercher leurs compagnons. D'emblée, Alex et Elena furent en phase sur une salsa, comme Lisa et Enzo. Léo suivit sa compagne danseuse et les trois autres couples firent ce qu'ils pouvaient en dansant une salsa basique. Les danseuses emmenèrent ensuite leurs partenaires respectifs en direction de l'escalier menant aux chambres. Mais si trois couples revinrent assez vite, trois manquaient encore à l'appel. Alex et Elena, Enzo et Lisa, ainsi que Théo et Serena. Louis et Max se regardèrent en souriant. En ce qui concerne les enfants de François, je ne suis pas étonnée, mais Théo et Serena, déclara Louis Je te rappelle que Serena est une vase, elle aussi, et Théo est mon digne héritier, rétorqua Max. Et comme Serena s'est échangée dans notre chambre, ils y sont retournés. Les trois couples manquants s'étaient dirigés vers leurs chambres respectives pour deux d'entre eux et celle de leurs parents pour le troisième, comme Max l'avait pressenti. Bien joué, les filles, votre mise en scène était parfaite pour se retrouver un peu seule, dit Théo. Eh bien, justement, moi et Elena, nous vous laissons. Une urgence, leur lança Alex. À peine arrivée dans la chambre, Elena se débarrassa de ses baskets et de sa tenue d'infirmière sexy. Il ne restait que ses dessous. Et le reste, tu n'enlèves pas? lui demanda Alex. Non, puisque je vais mettre une robe, lui répondit-elle moqueuse. Tu ne vas tout de même pas me laisser dans cet état? dit-il en la plaquant au mur pour un baiser profond. Ses mains caressaient tout son corps, l'enfiévrant tout entière. Il lâcha sa bouche pour descendre plus bas, et enlever le shorty qui faisait obstacle à son désir impérieux. Il la porta jusqu'à une commode toute proche. Des vagues de désir envahissaient Helena, qui devinrent encore plus puissantes quand la langue de son mari atteignit son clitoris. Alex n'attendait que ça. Quand il la pénétra, elle cria de plaisir et de plus en plus fort à chaque poussée, jusqu'à leur explosion commune. Elle le retint en elle un moment, ses jambes en serrant avec force son bassin. Elle le relâcha à regret. Il fallait se rhabiller et redescendre. Helena. Enfila son shorty, puis une robe courte d'un violet profond avec un corsage en tulle et dentelle pailletée, et une jupe évasée en mousseline qui avait appartenu à Éléonore. Puis rapidement refit un chignon. Ils descendirent main dans la main, rejoignant Lisa et Enzo dans l'escalier. Ils avaient tous les quatre les yeux brillants, qui laissaient peu de doute sur leur activité récente. Ils se mêlèrent aux danseurs sur la piste. Ils enchaînèrent les danses, se séparant rarement. Puis le DJ annonça qu'il était temps pour les mariés de profiter de leur nuit de noces. Mais avant de vous quitter, une dernière danse, dédiée aux parents du marié, un titre qui était leur hymne personnel et qui est aussi devenu un titre fétiche pour Alex et Elena. Tout le monde savait de quel titre il s'agissait et pensait que tous les deux allaient danser la rumba que François et Léonore dansaient dans les dernières années de leur vie, mais Héléna s'était placée au centre de la piste, en demi-écart. Ce qu'elle dansa était la chorégraphie qu'Éléonore avait créée et dédiée à François. Comme elle, Héléna dirigeait ses gestes, ses regards vers l'homme de sa vie, qui semblait l'attendre. La plupart ignoraient qu'elle avait un tel niveau de danse et était médusée. Tout comme Claudia et Steph, Lisa, elle, le savait, et l'avait fait répéter. Alex Vint la rejoindre juste à la fin de la partie qui précède les derniers refrains. Alors qu'elle était au sol, quand il lui tendit les bras, elle donna l'impulsion pour se retrouver contre lui, les bras autour de son cou et les jambes enroulées autour de sa taille, avant de poursuivre la chorégraphie avec des pas de rumba et des portées. Steph reconnut avec émotion la fin qu'il avait imaginée pour le mariage de sa sœur de cœur avec François. Les deux amoureux finirent l'un contre l'autre pour un long baiser final. Lisa aussi était très émue. Elle avait elle-même dansé cette chorégraphie dans une vidéo. Elle se précipita vers son frère et sa belle sœur Tous trois restèrent enlacés un long moment en larmes. Avant de quitter leurs invités, comme le veut la tradition, les mariés fracassèrent un vase au sol. Il se brisa en mille morceaux, ce qui constituait un présage de bonheur durable. En rentrant dans leur chambre, Helena poussa son mari sur le lit pour mieux l'embrasser et s'installa à Califourchon sur lui. Elle plongea ses yeux verts dans son regard bleu si magnétique qu'il la transportait à chaque fois. Ils se laissèrent une nouvelle fois emporter par leurs sens. C'était leur nuit de noces, à vrai dire leur seconde nuit de noces, mais le désir qu'ils avaient l'un de l'autre était tel qu'une bonne partie de la nuit ils explorèrent toutes les ressources de leur corps et s'endormirent au petit jour, entremêlés.